Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si là on n'est pas proche de la fin. Why? Why? Why aren't you listening to me? I told you what to do. Maybe you cannot hear me. Hey, Philip? Hello? You must. Alors soit je rentre là-dedans. Moi qui ai moyen de. Je vais faire le tour même si. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Ok. Ok, allons-y. Tout est rentré dans l'ordre. Toutes mes questions ont disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. J'aurais dû venir ici il y a bien longtemps. C'est l'heure de payer mes dettes. Enfin, les dettes. Les dettes de quoi? De qui? De son père? De... Oh, ça sent pas bon ça! C'est quoi tout ça, sérieux? Ah, mais j'avais même plus de lampe torche en fait, d'accord. Des ruines éternelles, la réponse à toutes mes questions est là. Quelque part. Mais je dois la mériter. Ouais, ok, je sais pas. Papa, je le suis, mais il a toujours un coup d'avance. J'ai tellement besoin de voir son visage. Putain, où est-ce qu'on est ? Étrange symbole. Ouais. Sable. Oui. Ouais. Ok. Pierre,
Échelle, mur, sable. Sable. Où est-ce que je vais, nom d'une pipe en bois? La caméra a tourné toute seule. Je suis venu faire quoi ici en fait? Alors il y a un vilain truc volant, je sais même pas comment ça s'appelle. Je crois que c'était un beau cul-de-sac. On va essayer d'aller en bas. J'aimerais écrire quelques lignes sans ces histoires de protocole. Malgré de grandes difficultés, nous avons découvert la tombe Turngate. Les obstacles ne se limitaient pas simplement à ne pas connaître son emplacement exact et le fait de devoir ouvrir un chemin à travers des roches extrêmement solides, mais aussi à la panique constante de Howard Lafresque, notre chef linguiste et traducteur. Dès le début du projet, il insiste que nous devrions arrêter de creuser et ne surtout pas toucher la tombe. Je trouve ça drôle qu'il n'ait jamais pu expliquer la nature du supposé danger. J'ai même pensé qu'il commençait à trahir l'idée de notre communauté. Nous ne pouvons renier notre mission. Chaque personne dans cette station a fait une décision en connaissance de cause et est conscient de la nécessité d'identifier et éliminer toute forme de xénoactivité. Pour ce qui est de notre situation actuelle, nous avons passé plusieurs heures à l'intérieur de la tombe et rencontré aucune menace. Howard a commencé à traduire les tablettes que nous avons trouvées près de l'entrée. La tombe entière est remplie d'étranges mécanismes et nous ne comprenons pas encore leur fonctionnement. Il n'y a pas de raison d'aller trop vite en besogne. C'est vraiment une grande découverte, Wilbur Frisk. On est dans le tombeau Turngate, alors le fameux tombeau Turngate. Ok, là on remonte. Labyrinthique, mais c'est horrible. Qui c'est ça? Des cadavres sanguignolants. Un récipient vide. Ok. Sac. C'est pas de l'acide ça, non? Qu'est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on est, bordel de merde? Y'a des poissons, c'est trop marrant. Qu'est-ce que je suis venu foutre ici? C'est un endroit où il faut repartir, j'imagine. J'ai marché sur un truc. C'était
quoi ce bruit? Par où là? Ok, je viens de faire. J'imagine qu'il faut récupérer les autres. C'est quoi cette mue? Cette musique là, j'aime pas ça là. C'est la musique ça me rappelle la musique du Hunter un peu. Ah, attendez, je sais pas où je vais là. Ne dites pas qu'il y a un Hunter qui se trimballe dans le coin quoi. Eh ben il est là. Bon, alors j'ai pas mal traîné un peu partout et j'ai réussi à échapper à Hunter, je sais pas trop comment j'ai réussi. Il est parti se paumer quelque part. En fait l'avantage c'est que il part assez rapidement se paumer dans les espèces de labyrinthes et c'est assez facile de l'éviter. Mais en revenant là, j'ai remarqué qu'ici il y avait un bouquin qui est le journal de Howard. C'est le journal de mon père, il décrit diverses méthodes pour décrypter les symboles anciens. Et j'ai remarqué qu'en utilisant le journal de Howard sur les inscriptions étranges qui est à droite à gauche, on a une traduction. Toutes les âmes rebelles vont au même endroit, là où est se trouve la lumière, les ténèbres trouvent aussi leur place, et là où se trouvent les ténèbres, là est la lumière. Là où tout mouvement est un mouvement vers l'intérieur, j'ai rien compris. Là où est... Ouais, enfin je sais pas. Mais vu qu'il y avait d'autres inscriptions, on va pouvoir les lire. D'étranges symboles, donc si j'ouvre ça... Trois soleils se lèvent en tandem et ouvrent la voie. Donc si je comprends bien, faut récupérer trois sphères. Au total. Alors je sais plus du tout. J'ai déjà plus du tout le plan des lieux dans la tête. Mais s'il y a d'autres inscriptions, on voit bien. Il doit y en avoir par là, non? Il n'y a pas d'inscription par là? Au cas où. Si, là. Si, hop, nickel. On va voir ce qu'il faut faire. Seuls les sables révèlent le secret. Ah, d'accord, donc il y a quelque chose à faire avec le sable. Je ne suis qu'un, mais mon nombre est infini, je réside dans plusieurs mondes. Mon nombre est infini? Le temps, je ne sais pas. Sable. Il y a quelque chose à faire dans le sable. Ah. Ah non, sérieux? Ah, ouf. Ça va pas disparaître, hein, quand même.
Je vais sauvegarder quand même parce que là j'ai pas envie de tomber dans le trou. Alors par la magie du montage, entre la dernière coupure et le moment présent, il s'est écoulé une journée, hein, parce que j'avais plus le temps de faire quoi que ce soit hier, donc... Sauter là-dessus, ça me rappelle cette vilaine énigme, enfin ce vilain truc dans Cry of Fear où il fallait balancer des putains de briques pour faire apparaître les... le bordel. Ne pas tomber. Nickel. On a une deuxième sphère donc. On re-sauvegarde rapidos. Et alors j'ai pas compris ça, c'est quoi là? Je ne suis qu'un, mais mon nombre est infini, je réside dans plusieurs mondes. Il y a l'air d'y avoir moyen de monter. Je suis assez intrigué. Je suis pas certain que ça serve au final à quelque chose parce que il y a beaucoup d'endroits qui servent à rien au final dans ce temple bizarre là. On va essayer d'aller récupérer l'autre sphère. Elle était où l'autre sphère? Je sais plus. Je sais plus si j'en avais vu une autre. Il y en a peut-être une vers les grosses statues d'araignées. Ou alors non, il y avait des grosses statues de... Attendez, c'est quoi ça en fait comme... Ah mais ça c'est des trucs volants en fait. Je me disais bien. Donc il y avait des statues d'araignées aussi. Et il y avait des statues de verre, si je me souviens. On va aller voir. C'était par où, par là ?